J'ai trop vite. Bah, tu fais, vas-y, à ton rythme. Hein. Ah bon, là, tu commences, là. Ouais, ça y est. D'accord. Et c'est quoi, c'est une photo ou c'est un film que tu fais, là? C'est un film. C'est l'illustration d'un texte d'un écrivain qui s'appelle Jean Guimarães Rosa, qui est un des plus grands écrivains brésiliens, mais que personne ne connaît dans notre pays, mais qui est considéré comme une sorte de mélange entre James Joyce et Jean Giono. Étrange mélange. Ce qui est bien, c'est qu'il y a le bruit. Le bruit de la gouge. Donc voilà, ça commence comme ça. Ça, c'est une pointe sèche, en principe. Hein. Tout ça, c'est en principe. Hein. Voilà, donc c'est le départ dans l'étable où ce petit âne remue de la poussière. Et au fond, on voit le troupeau qui est déjà décrit comme étant une espèce de marée assez monstrueuse sous la pluie. Voilà, ça c'est la première. Ça fait suite à une description donc extraordinairement foisonnante de ce troupeau qui en attente de partir. Donc il y a toutes sortes de races, de couleurs, de pelages et d'attitudes. Les uns, comme on peut le voir, les uns au milieu des autres, c'est un véritable capharnaüm de lignes, de bosses, de cornes, etc. Ce petit âne se retrouve toujours dans sa grange dérangée. Parce qu'en fait, il est très tranquille et bon, en fait, il n'a pas du tout envie de bosser. Il est décrit comme étant tout. C'est marrant avec un pelage. Il y a une très longue description de son pelage. Il est jaspé, donc c'est important. Et son pelage le définit un peu. C'est-à-dire, c'est une espèce de. Il est à la fois vieux et doux. Qu'est-ce qui se passe? L'âne, il n'est pas d'accord avec les chevaux? Ouais, c'est des chevaux qui se... Ils veulent pas qu'ils viennent sur leur territoire? Qui font chier, quoi. C'est un âne tout tranquille, tout vieux, etc. Et puis il y a ces espèces de chevaux jeunes et pleins d'allant et de feu qui l'emmerdent. Lui, il veut pas qu'on l'emmerde. Et, donc ils viennent le tarabuster. Pascal, elle me dit toujours, mais c'est con, ton dessin d'origine, il est vachement mieux que ta gravure. Tu vois, je me rédite à force de faire des, tu vois, des trucs. Mais je trouve que t'es très proche de ton dessin. Oui, mais c'est pas le dessin, si tu veux, d'origine. C'est déjà pas le dessin d'origine. Non. Non, mais celui-là, c'est... Ouais, bon. Les chevaux, ils sont totalement bancals, mais le résultat tient le dessin. Bah écoute... Ouais, mais si tu commences à penser à ce que ton cheval est faux et qu'il faut que tu... Bon, tu t'en aussi, sors pas. Tu fais quoi. Ça quand tu dessines. Et moi, ça m'intimide, les chevaux. Ça fait partie des choses qui... Dès que je commence à dessiner un cheval, je me dis, je vais encore me planter. Bah voilà. Et donc, il faut vraiment pas que j'y pense, c'est tout. Faut vraiment pas y penser. Ouais, mais toi, t'es zen. Moi, je suis pas zen. Nous avons une scène où on voit le major. Le major, c'est le chef, le propriétaire du latifondière, là, de la fazenda, comme on dit là-bas, au Brésil. Et donc la présentation de Francolim, qui est un peu le chef des gauchos qui montre l'âne, bon voilà, parce que enfin ils sont en train d'organiser cette fameuse transhumance, et on sort ce pauvre âne de sa quiétude, et il commence à se dire, oulala, ça va pas du tout, on va faire quelque chose de moi, et ça commence à l'agitation commence à l'atteindre. Donc voilà, c'est un peu une scène d'exposition, on voit ce coronel en botte et avec une femme derrière qui est décrite comme étant une sorte de domestique qui assiste à la scène. Celle-là, c'est quoi dans l'histoire? Alors, c'est un des vaqueros qui dresse un cheval. C'est Badou, tiens, voilà, c'est son nom. Badou, c'est le personnage principal. C'est le dernier qui est sauvé par l'âne à la fin.
Et en fait, c'est Bouddha, d'après les spécialistes Guimarães Rosa. C'est une allégorie de Bouddha, bizarrement. C'est une scène où il dresse un cheval avant de partir en transhumance avec tout le troupeau. Voilà. Tu vois. Voilà. Ouais, vas-y, c'est bien. Parfait. Ah, ça des potes. Alors, recommence alors, explique-moi. Viens, viens, explique-moi. Je vais faire... donc, j'ai fait ce passage-là de gris sombre. Ouais. Et après, une teinte à l'aquarelle pour que le cheval n'ait plus la même teinte que le fond, etc., pour qu'il soit un peu plus soutenu. Et après, je ferai juste le cheval, donc, sombre. Ah ouais, d'accord. Donc, ça fait un ton de gris, le cheval et un petit coup d'aquarelle. Deuxième gris, alors. Ouais. Qu'est-ce que j'ai ? Je sais même plus ce que j'avais mis. Et alors? Ouais, je trouve que c'est mieux. Tu vois, c'est plus. Ah, il est plus léger, ouais. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu mets un petit ton d'aquarelle. Je mets un petit ton d'aquarelle sur le cheval de façon à ce que, si tu veux, quand il y aura le noir dessus, ce soit plus raccord, ça fasse un cheval qui soit. Parce que sinon, cette teinte, elle est trop claire. C'est pour avoir une demi-teinte qui soit... Oula, c'est un peu fort, ça. Sur le cheval? Ouais. Pas sur le personnage? Non, le personnage, je le laisse. D'accord. C'est la bronzine, ça? Ouais. C'est la bronzine. J'adore la bronzine. Donc, je prépare de la bronzine, après, je vais mettre... Un peu noir, un peu de teinte de ciel. Donc, je fais un tirage bouché. Vérification. Il est bien noir là, non? C'est un peu gras. Ça a l'air bien. Le ton de gris est très décalé, mais ça donne du mouvement dans un sens. Non, c'est bien. Donc, t'es content de celui-là? Je sais pas, on verra demain. Ce sera un petit peu plus calme. C'est une scène très belle, racontant, décrivant un magnifique buffle taureau bleu. Et donc, ça fait partie de ces animaux un peu... emblématiques, qui sont allés entre véritablement un bovin et une sorte d'animal mythique, de presque antique, quoi, et un peu monstrueux aussi, minotaure, voilà. Enfin, moi j'ai pensé à ça tout de suite. Donc c'était mon imagination a extrait de toute cette description, cette scène-là. D'autres auraient fait autre chose, bien sûr, mais enfin voilà, puis ça permet de mettre quelques cavaliers là, qui sont dans cette atmosphère-là, du coup, il commence à pleuvoir sérieusement. Et donc il y a une longue description de bouillasse, d'humidité. Il est dit même que les vêtements sont humides à l'intérieur, ce qui est une jolie description. Donc voilà, j'ai tenté de montrer un peu tout ça, y compris les vêtements mouillés à l'intérieur. Ah oui. Bon. Et tu as une idée de comment tu vas le mettre en couleur, celui-là? Oui, j'ai une idée, oui. Ça va être des fonds, des tons de gris. C'est une scène qui se passe sous la pluie, donc ça va être vraiment des silhouettes dans du gris. Mais tu le fais pas exactement après le bois. Bah, là, de toute façon, je te dis, c'est vraiment la première.
C'est le premier jet, là, après je modifie. Non, pas du tout. Bah, je refais plein de fois jusqu'à ce que ça soit mieux goupillé, quoi. Plus exact. Enfin, je sais pas. Enfin, tu vois, là, c'est je débroussaille, là, vraiment. Je débroussaille, ouais, vraiment. C'est vraiment du débroussaillage. Mais bon, après, je réduis des. Tu vois, j'en réduis, j'en agrandis, je modifie, quoi. Mais le problème, c'est qu'en même temps, il ne faut pas trop travailler, parce qu'après, ça... Ça perd de la spontanéité. Eh oui, je sais. Ouais. Mais moi, comme je suis académique, j'aime bien que ce soit exact, mais parfois, c'est un peu au détriment, ça devient un peu raide, quoi. Là, t'as le premier jet, plus ou moins. Enfin, moi, j'ai pas tout gardé, parce que les premiers jets, les vrais premiers jets, ils sont vraiment trop crades. Enfin, bon, peu importe. Il y a ça, après... j'ai repris la table lumineuse. Après, j'ai rebidouillé en faisant des collages de plein de tirages qui allaient pas, réduction, agrandissement. Tu vois, je les colle les uns. Je travaille là-dessus sur la table lumineuse et je fais des photocopies sur le scan. Donc, tu vois, je recolle des trucs que j'ai agrandis ou réduits. Ouais. Et puis, j'ai fait des modifications. J'affine petit à petit jusqu'à dessiner assez précisément. Voilà, c'est pour ça que là, tu vois, en fait, c'est rabouté, quoi, parce que je l'ai fait en deux parties. Parfois, je l'ai fait beaucoup plus précisément, les bises en couleur, mais là, je sais à peu près en tête ce que j'ai. Et comme j'ai mis à peu près 3 jours à faire cette composition bovine, j'en avais un peu marre de... Pour la couleur, je dis, allez, bof, bof, on y va. Une composition intermédiaire, mais encore un peu plus précise au pinceau. Encore une autre. Là, après, c'est bon. Avec ça, qui est vraiment repris avec un pinceau 3 poils, vaguement... Enfin, bon, bref. Et ensuite, j'ai décalqué. J'ai décalqué. Le dessin que j'ai décalqué, je le... Dans mon sens, Voilà, je te montre. D'ailleurs, on voit les traces de bic encore là. Avec un bic, je sais pas ce que j'en ai foutu du bic. Et là, tiens. Ah oui, merci. Avec un bic, voilà, je frotte. Moi, je te montre juste un exemple. Je vais pas tout refaire parce que ça va être. Non, c'est pas la peine. Une journée de boulot. Voilà, toc, tu vois. Et après, ça, ce qu'on voit au crayon, je le reprends au pinceau, une fois de plus. Ça donne ça, quand j'ai repris au pinceau. Et ensuite, c'est enfin, je peux graver. Bon, et après, je modifie un petit peu suivant. Ce qui est très bizarre, c'est que je fais les trucs le plus précisément possible pour, au bout du compte, parfois improviser des trucs. Mais il vaut mieux partir d'une base nette pour donner la liberté d'improviser plutôt que de partir d'une base floue. Et d'improviser tout le temps. Enfin bon, bref, quand on a ouais, t'as besoin de faire les. Oui, enfin, je sais pas. Enfin, en gros, c'est comme en musique, quoi. Enfin, je. Ouais, d'accord. Pour faire une bonne improvisation, c'est pas mal de partir sur un standard bien établi, par exemple. Hein. Ouais. Alors là, ça tombe bien parce que c'est un. Comme je te le disais, c'est un contreplaqué qui est vraiment. Hop, on peut. Alors, ce qui est difficile quand on grave des tout petits trucs, c'est qu'on fait des mini-gestes. Et ça fait, on fait des gestes. C'est gestuel, mais sur une toute petite surface, si on peut dire. Mmh. Enfin, ça dépend qui, hein, moi, c'est comme ça. C'est pour ça que je déteste le lino. Parce que le lino, c'est tout mou. Là, on fait tonk, on enlève, je sais pas, il y a quelque chose, une retenue que j'aime bien, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un truc assez précis quand même. Bon, puis après, bon, bah, je grave. Et puis, une fois que je fais le premier tirage, je suis généralement horriblement déçu. Et après un moment de stupéfaction, je me dis, bon, bah, il y a ça à modifier, quoi. Un peu, c'est pareil. Non? Ouais, sauf que je fais moins de dessins préparatoires. Parce que toi, t'improvises plus. Mais c'est bien, c'est une qualité. Hein. Moi, j'en fait, je... Qualité, je sais pas. Moi, en fait, parfois, je me rends compte que je rédifie beaucoup mon dessin. Parfois, j'ai des premiers jets qui sont vachement plus intéressants que cette espèce d'hyper-précision maniaque qui fait qu'on perd, quoi, on perd quelque chose, parfois, en cours de route. Et c'est dommage, mais... Je sais pas, j'ai tellement la trouille. C'est tellement long de graver, en fait,
que j'ai vraiment la trouille. T'as pas envie de recommencer. Ah, ça m'arrive, mais alors c'est l'horreur, quoi. C'est, oui, je sais. C'est vraiment... j'essaie d'éviter ça le plus possible, mais en même temps, c'est un peu une lâcheté, quoi. Ça, je dois bien admettre que il y a quelque chose d'assez peureux là-dedans. Mais quand je fais des grands bois, c'est marrant, parce que plus c'est grand, plus je suis à l'aise. Merde, je passe un trou malheureux. C'est ridicule, ce trou, je le bouche. Ah non, t'en sais rien, tu verras quand tu tireras. Je le sens. Tu verras plus tard. Tu vas faire ton report. T'as déjà fait trois reports, là? Ouais, j'ai fait trois reports, ouais. Et tu vas faire le quatrième? Ça, c'est le noir, ça, c'est le demi-ton gris. Ouais. Ça, c'est encore un demi... ça, c'est la couleur du bétail. Ouais. Et je vais faire le sol. Et en principe, d'accord, ça devrait suffire, parce qu'elle est un peu... Mais bon... Avec le noir, en plus. Avec le noir, ouais. D'accord. Mais il y aura peut-être une superposition de deux tons pour le sol, ça, je sais pas encore. C'est déterminé. Voilà. Donc là, c'est l'ancrage de la terre. C'est la première terre, plaque, ouais. C'est pas la première plaque, puisque tu l'as fait... Non, c'est la première plaque, si tu veux, dans la succession des plaques, quoi. Ouais. Voilà. La pression. Ah, c'est bon. Bah, tu vois les petites traces noires, enfin bon, avec la pluie on la verra pas, mais c'est dingue hein, quand même. Hein. C'est quand même... Ça, les petites traces. Là. Ah, oh, t'es maniaque. C'est bon ça. Donc ça, c'est le premier gris alors. Oui, c'est le premier gris. Enfin, gris. Gris teinté de terre de sienne naturelle. Ah, tu vois, on les voit mieux, là. Là. Oui. Même celle-là, je vais filer un petit coup. Bon, allez. C'est bon. Ouais. C'est gras. Enfin bon, ça c'est pas très grave. Je passe un coup de papier de soie dessus. Un peu gras quand même. Ouais, mais on remarque c'est pas si mal. Hein. Pas mal. Hop. Ça c'est la fameuse bronzine alors. Bon, alors, c'est là qu'on a toujours un petit coup au cœur. Bon, pour l'instant, c'est l'air d'aller, sauf qu'il y a des petites merdes. Bon, ça, c'est pas grave. Et là, qu'est-ce que ça donne? Bon. Ah oui, oh, là, il y a des petits manques. Bon, il suffit un coup de barène là. Ah oui. Ouais, il y a des décalages. Bref, c'est là, il y a... Ouais, non, mais là, il ne faut quand même pas déconner. Non, tu vois, le rouge, il est un petit peu... C'est à cause... Tu vois, le décalage qui est là, en fait, on voit qu'il y a des petites superpositions. Mais bon, franchement, il faudra faire la pluie après. Suspense. Tu fais une bonne épreuve, là? Ouais. Ah bah c'est mieux. Là c'est bleu. Tu vois? Bah oui, c'est mieux. Avec un brun, parce que du coup, ça raye aussi dans le noir, quoi. Oui. Encore deux doubles, deux simples. Ouais, et après j'ai des pointes sèches.
Ah ouais, t'as combien de points de sèche? Moi, je sais pas encore vraiment ça. Je pense que je le ferai au fur et à mesure. Je n'ai pas une petite dizaine, quoi. C'est un vaquero qui n'est pas, qui raconte que il a dû affronter un énorme taureau à l'aide de sa pique. Et donc, autre possibilité de montrer ces énormes bestiaux et leur côté extrêmement menaçant. Voilà, donc là, ils arrivent au village où ils vont mettre les... Enfin, une petite ville, un gros bourg, quoi, disons, où ils vont mettre le bétail dans des wagons de chemin de fer, et on peut remarquer la fumée du chemin de fer, loin, ce qui n'est pas vraiment très clair, mais enfin, moi, je le vois. Et donc voilà, c'est Franck Olim qui est. Ce qui permet de faire une espèce de condensé. C'est Franck Olim qui est là, à cheval. Sur le titane. À sa grande humiliation. Il n'est pas content du tout et il a une casquette de jockey, ce qui est assez bizarre. Et pourquoi aussi. Il n'est pas content? Parce qu'on lui a donné un âne et il voulait être sur un cheval. Ah, oui, enfin, ça le vexe horriblement. Quoi. Donc il fait tout le voyage. Non, après il change de monture. Mais surtout qu'en plus de ça, il est quand même l'assistant du major Saolo qui est là. Ah oui, d'accord. Et donc du coup, pour lui, ça, c'est d'autant plus vexant. Voilà, ah ouais, donc okay. Là ils arrivent dans ce village, ils discutent, c'est une scène aussi un petit peu d'intermède. Une longue description magnifique et dont je fais juste un petit résumé, bien sûr, où tout cet énorme bétail traverse le village en provoquant toutes sortes d'émois. Et nous avons là des lavandières qui sont une image aussi pareil, un petit peu de... Voilà, donc il est question de lavandières affolées par le troupeau qui traverse le village. Donc j'ai fait une petite image comme ça, qui sera réduite de pointe sèche, qui accompagne donc cette grosse-là, qui décrit beaucoup plus la traversée du village. Voilà. Okay. Ça, c'est une intense discussion entre trois vaqueros. En fait, je pense qu'ils sont un peu plus, mais j'en ai fait trois. Enfin, en tout cas, ils sont entre deux falaises, comme on peut le voir. Ça va tomber du jour, il pleut, mais là, j'ai pas fait la pluie, j'ai juste fait un verre un peu à queue. Enfin, parce que bon, c'est... voilà, donc une atmosphère très humide, un peu tropicale, me semble-t-il. Et ces trois vaqueros discutent sur justement cette affaire de meurtre éventuel, en tout cas de bagarre entre Badou et l'autre vaquero. Donc c'est ils discutent, et en plus de ça, c'est à ce moment-là qu'ils se racontent aussi des histoires qui leur est arrivées. Donc ça résume un petit peu énormément de scènes où, de toute façon, ils sont tous en train de chevaucher en discutant et en évoquant leurs expériences passées. En chevauchant, il est question, dans une histoire que racontent les vaqueros, d'un jeune négrillon extrêmement malheureux d'avoir été séparé de sa vache préférée. Donc en fait, il chevauche avec lui, ce type, ce jeune négrillon, met une ambiance très mélancolique. Et donc ça montre, ils sont arrêtés à côté d'une rivière. Et bon, normalement, il y a beaucoup plus de personnages, mais j'ai synthétisé. Et cet enfant pleure sa solitude. Et après, c'est terrible parce que finalement, à force de pleurer sa solitude, ça affole complètement le troupeau. Et le lendemain matin, tous les vaqueros étaient piétinés par le troupeau qui s'est sauvé. Donc évidemment, moi, j'ai pas fait ça. Mais par contre, j'ai une image d'accompagnement quelque part. Non, c'est des gens qui disent, mais c'est bizarre, l'illustration ne correspond pas au texte. Ça, je ne le saurais jamais. Alors, si c'est du noir et blanc ou des tons de gris en bicro ou en tricro, ça va. Mais dès que tu commences à travailler un peu comme un peintre, quoi, c'est, si tu veux, l'image mentale de l'atmosphère, de couleur que tu as dans la tête, est forcément impossible à faire en... Enfin, c'est un petit... Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que... l'image mentale, t'imagines la scène dans ta tête, si tu veux, voilà, les couleurs, tout. Le dessin, ça va, si tu veux ça, le dessin, c'est l'idée que j'avais. Mais après, c'est tout le côté rêvé, atmosphérique, si tu veux, le côté imaginaire, imaginer les tons.
Et ça, c'est ça le plus difficile. C'est la couleur le plus difficile pour ce genre de scène, en tout cas, où il y a vraiment beaucoup de couleurs et pas beaucoup de... Ouais, mais de toute façon, la couleur, t'as pas à craindre que les gens vont vérifier que c'est exactement la même couleur. Si c'est la nuit, qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop clair, ils disent, mais ça va pas la tête, il a pas lu le bouquin, quoi. Oui, c'est vrai. Surtout qu'en plus de ça, ça, moi, ça, j'y tenais, tu vois, à faire cette atmosphère... Bah, t'as droit quand même à un peu de latitude. Très humide, mais si tu veux, plus tu fais les choses sombres, moi, tu vois, enfin, c'est... À moins de travailler, si tu veux, en réserve, moi, je sais pas faire ça, j'aime pas, en plus. Bah oui, c'est oui, ça. Oui, tu fais un fond noir, enfin, un noir bleu, puis à l'intérieur, tu creuses en blanc, quoi. Bah oui. Mais genre à la Mazerelle, ouais, mais moi... De toute façon, là, c'est trop tard, tu vas pas recommencer. Ah non, 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 ça, c'est fini. Bon, bah alors, présente ton parti. Ouais. Ah bah c'est mieux orangé, tu vois, regarde. Ah oui, c'est plus joli. Hein. C'est plus délicat. Hein. Oui, c'est mieux. Tu vois, déjà, j'ai eu raison de repasser un coup parce que c'est déjà quand même beaucoup plus... Mon gris, on le voit, là. Ouais, ça va. Oula, c'est quoi ce craquant? Ah bah... Ah, c'est la pluie alors. Oui, je te dis, c'est pour faire le... Je vais faire un essai de la pluie sur le tirage que je viens de rater, foireux, là, où j'ai fait à l'envers. Bah oui. Comme ça, je verrai à peu près ce que ça donne comme, comme climat coloré. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je me calme. Je vais boire un café. Ouais, bah vas-y, quand je veux. Déjà, est-ce que je suis dans le bon sens? Ouais. Non. Ah oui, si. C'est lequel que tu sélectionneras? Moi, je pense que ce serait celui-là, tu vois. Parce qu'en même temps, il y a c'est la... C'est celui que tu viens de faire, alors. Il y a la transparence de l'eau. Tu vois, il y a du blanc dans la flotte, il y a la pluie. Enfin, il y a un peu tout ce... Le fond n'est pas trop bouché. Ouais, enfin, je sais pas, je pense que c'est quand même celui-là. Ouais, ouais. Hein? Ouais, ouais. Fin de l'histoire, donc, catastrophe générale, ouais, inondation... Oui, inondation, triste destin de certains héros. Les deux héros sont sauvés par le petit âne Jaspé. Voilà, c'est ça l'histoire, voilà. C'est que le petit âne Jaspé sauve, et en plus ça, il est décrit comme étant incroyablement déterminé à s'en sortir. Donc lui connaît la rivière, il a une sorte d'instinct de survie qui fait que, très lentement, dans tout le texte, il est décrit comme étant de toute façon très lent. Pas du tout comme un âne têtu, comme on dit, raconte habituellement, c'est un âne qui va son pas, avec ses petits pieds très sûrs, et aussi bien dans l'histoire où les choses se passent assez bien que dans les catastrophes, il est totalement montré comme étant impavide et assez sûr de lui, et presque une espèce de... Il y a quelque chose de magique chez cet animal, d'étrange dans son calme. Ben, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 7 mois. Ok. Un jeune vaquero qui était très ami avec un énorme buffle qui s'appelle le mal luné. Et voilà-t-il pas qu'un jour, ce mal luné, justement, est mal luné, et il encorne ce pauvre gamin. Et il a les tripes à l'air. Bon, de toute façon, j'ai moult problèmes avec cette gravure, parce que j'arrête pas de la retoucher sans fin. Comment ça, on voit mieux? Là, ça, là. On voit mieux que c'est des intestins, je trouve. Enfin, moi, je trouve. Ou alors, faut que je les... Ah oui, un peu mieux. Il faut que que je les éclaircisse un peu au milieu, les intestins, avec grâce au bruit. Oui, il faudrait que tu fasses, un peu une petite lumière. Tu vois, ça fait des...
C'est comme des saucisses, je veux dire, tu as je veux dire, t'as des dépressions, tu comprends? Oui, il y a des cercles, quoi. Ouais, sur non, il faut le travailler, cet intestin. Hop. Faut pas faire de l'intestin impressionniste. Non, c'est de la morphologie. Ah ouais, qu'est-ce que je voulais faire? Alors, donc là, j'ai quelques petits traits sur les bottes. Tac, tac, qui se met là. Et l'autre truc, ventre. Alors là, c'est le gros problème, c'est... J'hésite à me lancer. Pour faire quoi? Alors, ça crée des barbes. Alors, c'est pour ça que c'est sans fin. C'est parce que quand je reprends... Tu vois, là, j'ai rajouté un peu des espèces de... Il y a trop. Je crois qu'il faut que je me calme avec cette gravure. Parce que je n'arriverai pas à faire ce que je... Avec un peu de terre de sienne pour avoir un... pour réchauffer un peu le noir. Alors. Eau forte, mais t'imagines, tu peux commencer à faire des eaux fortes pour le bouquin. Là. Ouais. C'est vrai que c'est plus rapide de faire la pointe sèche. Ah, oui. J'en ai fait une par jour quasiment. Mais il faut être un excellent dessinateur pour faire les pointes sèches, tu comprends? Moi, je suis un excellent dessinateur. Eh ben oui, oui, moi pas assez. Moi, je fais que de reprendre tout le temps. Moi aussi, je fais que reprendre tout le temps, évidemment. Tu peux... Vous savez comment elle était. Ben, je te montrerai le croquis là, comment il était au début, mon croquis. Mais je le reprends à la table lumineuse. Après, ben, je suis un peu comme pour les bois aussi. Mais c'est plus. Enfin, plus spontané, c'est beaucoup dire. Enfin, disons que oui, ça va plus vite. Hein. C'est, j'essaie d'avoir un peu plus de liberté. Là, c'est bien tout ça. Et après, alors, tout le truc, c'est de. Tu sais qu'à certains endroits, il faut donner un peu plus. D'autres. Mais tu le fais pas, la paume, toi? Si, si. Ah, paumé avec le palme d'on. Non, après ça, on enlève trop. Si, je le fais, mais autour. Non, je... Il faut être un grand... Mais ça marche surtout pour les eaux fortes, le blanc de meudon. Ouais. C'est pas génial sur le rénal. Comment est-ce qu'on éclaire l'œil qui était plein de barbe? Alors ça va être un tirage, je sens qu'il va être cracra. On va voir si c'est décalé. Tu vas voir si c'est décalé. C'est très aléatoire, ça dépend vraiment si le papier. Hop. Ah, c'est pas si mal, mon gars. Est-ce que ça a décalé? Non. Bah, les tripes, on les voit mieux là, non? Peut-être que je gratouille encore un peu. Mais... Imagination, tu le voyais comment? Comme ça, c'est une espèce de gros tas posé. À côté, et en fait, non, c'est quand tu le dessines, si tu veux, on comprend pas. On comprend pas parce que c'est un truc que j'imaginais, et voilà, c'est une différence entre le un rêve qu'on croit réaliste et le réel, quoi. C'est voilà, on pense les tripes. Attends, je regarde. Ah bah oui, là, on comprend nettement mieux. Parce hein, qu'on quand voit même. Que c'est un peu flou, non? Avec des petits audios. Bah. Carrément, il y a des coccinelles qui se sont prises dans le... Ah, Berk. Pas du tout, ça. Enfin, c'est pas grave parce qu'il va y avoir une couche dessus. En plus. C'est pour que la grille passe en dessous. Voilà, c'est ça. C'est intéressant, genre de truc. Et je l'ai pas fait assez. Alors donc, du coup, là, j'en profite puisque je fais des tirages à la con. Eccola. Couleur salers.
Les dés. Voilà, ici. Ah. Vas-y, monte. Non, on enlève le, écoute, l'appareil, là, c'est bon. Ça va ? Là, donc, je peux déborder puisque j'ai mon pochoir. Non, c'est même pas la peine d'enlever ça puisque j'ai le pochoir. En fait, le pochoir, ça évite d'avoir essuyé à chaque fois des tourets, tu vois, quand t'as plusieurs couleurs sur la même plaque, ça fait gagner du temps quand même. Merde, qu'est-ce que je fais là ? Comme ça. Ensuite, le pochoir, zou. Bah, tu vois là par exemple, je sais pas. Ça te fait combien de couleurs en tout ? Je sais pas, j'ai pas compté, mais il y en a plein quoi. Voilà. Hop. Tu vois là, il y a un décalage extrêmement embêtant. Tu vois là ? Ouais, ouais. Bon, enfin, je peux filer un petit coup d'aquarelle dans ces cas-là, mais bon, c'est un peu con quand même. Jaune, une couleur gris, deux couleurs gris, bleu. 3, 4, 5, 6, 6, et après il y a 7, ça c'est le. Non, oui, c'est ça, ça c'est le gris général. 8, le ton du de bleu sombre là, cyan. On était 8, et la 9, le petit, celle-là. Pour écraser un mouchoir. Voilà, mieux. Tu vois, ça valait le coup. Ça chante. Tu vois, regarde là le. Ah oui, le taureau, oui. Non, c'est bien. Je vais griser un peu et mettre de l'ardoise. Je deviens comme toi. Boaf. Pourquoi je fais ça, moi? Je déborde largement de toute façon. À mon avis, ça va pas marcher. Il y a un super décalage. Vraiment qu'il soit bien fumé celui-là. Enfin, fumé. Surtout, tu sais ce que c'est que le noir vignette, quoi. C'est un noir spécifique pour les goûts. Oui, je sais, mais les gens sont pas censés le savoir, c'est pour ça que je te... On s'en fout, les gens. Ben oui, on s'en fout, mais là, je suis en train de faire un film, mon pote. Merde. Hein. Ah merde, j'ai pas fait... Vite, cut. Non, mais non, ça va être très rigolo de mettre ça dans le film. Faut que ça soit sous-titré. Alors, terre de ciel. C'est la dernière couleur, hein, le noir. Ouais, bon, bref. Bah, le nez est rose, mais à moitié rose. Le tirage du noir est un peu gras, mais on voit les coups de vaguement de des chocs vélo. Les chocs vélo, là, ça s'est un peu bouché. Et voilà, et celui-là, il est mieux parce que là, le nez est blanc. Donc du coup, c'est plus lisible, je trouve. Hein ouais. Et ça y est, c'est fini alors, c'est ouais, le dernier c'est tirage. Ouais. Jusqu'à la prochaine. Donc toi, tu es un
T'es un graveur de formation, t'es graveur, ouais, quoi. Je suis graveur, oui. Pas que ça, mais je, essentiellement, oui. Donc il y a un moment où tu as fait des livres illustrés, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est passé que j'étais graveur, enfin je le suis toujours, pour faire des œuvres qui n'avaient pas de rapport avec l'illustration, enfin bon, voilà, des gravures. Et puis finalement, la gravure est un bon support pour la publication, en fait. Donc j'ai commencé par... Enfin, bon support, disons qu'il y a une logique entre la gravure et le livre, bien sûr. Et puis, j'ai toujours aimé les livres. Je trouve que c'est un moyen très populaire de montrer son travail. C'est quelque chose de généreux, de vue. C'est une façon de travailler qui me plaît bien pour ça. Les galeries, les gens rentrent assez rarement finalement, même pour des artistes très connus d'ailleurs, c'est curieux. Il suffit d'aller dans une galerie très connue. Donc on rentre dans un livre illustré, voilà, plus facilement dans ça. Une galerie, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est populaire quoi, moi j'aime bien ça. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est ça surtout que je veux dire. Et puis j'ai fait de la presse pendant pas mal de temps, et puis bon, j'ai arrêté parce que j'ai fait d'autres choses entre temps. Enfin bon, bah, c'est... voilà. Des complications des boulots. Et puis j'ai commencé en fait à faire des livres assez tardivement par rapport à mes jeunes collègues que je vois dans les salons de livres. Parce qu'en fait, d'abord, le style de gravure sur bois, c'est pas très facile à vendre, entre guillemets. Ça peut avoir un caractère un peu expressionniste. Il faut ajouter que le livre illustré, c'est essentiellement des livres destinés à la jeunesse. Donc ce qui est destiné à la jeunesse, il faut faire très attention. Et les éditeurs font souvent très attention aussi, parce que bon, voilà, c'est de l'argent, c'est l'histoire économie. Hein. Bon, enfin, bon, bref, je fais des livres hein, avec un style qui n'est pas forcément toujours très facile, donc je ne me plains pas. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais. Donc, pour en venir au petit tas de Jaspé, As de carreau, au départ, c'était, moi, je pensais... Sept de carreau. Je pensais, comme j'ai dit tout à l'heure, que c'était un bouquin qui... pouvait avoir un intérêt pour les enfants, un peu comme, enfin rien à voir, mais, je sais pas, Alice et le Pays des Merveilles, c'est pas un livre très facile non plus, bon, c'est quand même un livre pour enfants. Bon, enfin, peu importe, soit pour enfants ou pour adultes, un très beau texte, et ce sera donc illustré, puis après, bon, bah, si les, enfin, illustré et publié avec des illustrations, donc, après, le destin d'un livre, je sais pas si on veut, ça sert à ouais, voilà, d'accord, ouais, ouais. Il existera, en tout cas. Ah oui, ça Mais alors, qu'est-ce que tu as fait alors comme livre avant ? Des livres, j'avais fait Le bateau ouvert, d'après Stephen Crane, qui est au Seuil, il y a longtemps. Ça aussi, c'est un texte que tu aimais beaucoup. Ouais, c'est un texte que j'avais proposé. J'ai fait Gravure de bête, mon best-seller, qui est déjà pas mal de temps, qui est un livre sur un bestiaire, qui est à la fois un bestiaire et un livre sur la gravure, chez Thierry Magnier. T'as fait un livre sur les couleurs aussi ? Du rouge papou au vert d'orage, sur les couleurs. Ça, c'est des livres plus documentaires, enfin, entre guillemets, ce ne sont pas des histoires, en fait. C'est plus formel, c'est plus des livres, ben, il y en a, c'est sur la couleur, l'autre, à propos des procédés de gravure, mais sans... c'est pas un dictionnaire, quoi. C'est un livre illustré avec des animaux, c'est un bestiaire. J'ai fait un livre dont j'ai écrit le texte, qui s'appelle « Explorateur », sur des récits d'exploration que j'ai donc remis en forme, réécrit d'après des histoires vraies, que j'ai illustrées aussi. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre Cornebec, un petit livre de gravure pour, ça, c'est pour les tout pour petits, les petits enfants. Enfants oui. Ouais. En fait, ça, le fait de prendre la gravure pour illustrer des livres pour les tout petits, tout, c'est très bien parce que. Il y a graphiquement, c'est très direct, quoi. Les ouais. enfants aiment beaucoup ça. La gravure, c'est très direct. En plus, ça, il y a ouais. un truc qui est très marrant, c'est que ça fonctionne par couches successives, et ça leur plaît beaucoup. Oui. C'est-à-dire que c'est à la fois rigoureux, et en même temps, il y a le côté qui est aussi bien pour les enfants que pour les grandes personnes. La gravure, c'est extraordinaire, parce qu'on travaille en aveugle, en fait. Et on a beau préparer, on a toujours une surprise au tirage. C'est qu'on a beau faire des dessins, des études, tout ce qu'on voudra. Déjà, c'est une traduction. Moi, je dis toujours que la gravure, ça traduit.
C'est comme passer d'une langue à l'autre. On passe du dessin et avec la traduction de cette langue, on passe à la gravure qui est une autre langue. Ça dit la même chose, mais pas avec les mêmes moyens, pas avec la même langue. C'est-à-dire que dans la gravure, ce qui est bien, c'est qu'il y a une longue préparation pour faire pour le dessin, ensuite graver des planches. C'est-à-dire que c'est une espèce de combinaison très complexe. Il y a plein de choses à faire. Et tout d'un coup, qui arrive à la fin à une image, quoi, qui vient très, très spontanément, ça garde une certaine fraîcheur. Enfin, l'image jaillit. La spontanéité, c'est pas vraiment. Enfin, bon. C'est pas ce qui caractérise la gravure. Oui, et non, parce que. C'est pour les graveurs aussi. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une longue préparation et une exécution qui. Enfin, à la fin, tout se déclenche d'un seul coup et on voit l'image presque comme si on ne l'avait pas fait soi-même. Oui, oui. Tous les éléments s'agrègent pour faire une image. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour ça que je veux dire, tout d'un coup, c'est. Il y a une certaine fraîcheur tout d'un coup. Oui, oui, jusqu'à. Parce que ça se déclenche d'un seul coup. C'est comme si on avait préparé un feu d'artifice pendant très longtemps. Et que tout d'un coup, quand on tire le feu d'artifice. Voilà, un feu d'artifice. Enfin bon, c'est une comparaison. Oui, bien sûr. Oui, oui, non, mais bon, c'est le terme. On peut. Ouais. Enfin, tu comprends ce que je veux dire. Oui, tout à fait, oui, je suis d'accord. Ouais. C'est voilà. Et alors, ouais, ce que je voulais dire aussi, enfin, je voulais demander aussi. Enfin, moi, j'ai constaté, puisque je te connais depuis assez longtemps, et donc tu fais des livres et c'est très très long, enfin je sais pas, tu as une sorte de perfectionnisme, c'est peut-être pas un bon mot, mais ça te prend beaucoup beaucoup de temps pour faire un livre. D'ailleurs je pense que en montrant ce film, on va voir dans le détail de quoi il s'agit. Ça te prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, énormément de travail, c'est un très très gros travail puisqu'il y a beaucoup de gravures en couleur et chaque gravure c'est vraiment un travail énorme. Et pourtant, c'est pas terriblement bien payé. Non, bah ça. Donc, je sais pas, moi, il faudrait. C'est un mystère, le fait que, justement, tu n'essayes pas d'être rentable. C'est tout le contraire. Qu'est-ce que je te dise, moi, c'est parce que ça, c'est un. Alors, qu'est-ce qui te motive? Alors, parle un peu de ça. Parce que pourquoi tu passes c'est pas l'argent, oui, ça c'est sûr. Oui. Bah, c'est ce que je disais, ça permet de pouvoir diffuser des images à beaucoup d'exemplaires dans des bibliothèques, dans des librairies, pour un prix qui reste raisonnable, qui est moins cher que l'achat d'une gravure. C'est une façon de faire partager son univers, sa. C'est du partage, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment du partage. C'est quelque chose, c'est un plaisir que l'on a, enfin bon, c'est beaucoup dire, parce que il y a beaucoup de déplaisir et d'énervement, mais bon, en gros, il y a quand même, au bout du compte, il y a un objet qui s'appelle un livre, qui se retrouve dans les mains de gens que tu ne connaîtras jamais, que tu ne connais pas, enfin, sauf quand tu les vois dans des salons, ce qui arrive, quoi. C'est très sympathique, d'ailleurs, de voir les gens, de discuter avec eux. C'est une relation humaine, en fait. Ouais, beaucoup plus qu'un travail uniquement pour la galerie. Ça m'arrive d'exposer dans des galeries, mais on les voit pas, les gens, dans les galeries. Enfin, sauf si on fait la permanence, quoi. Mais c'est pas le même rapport. Intime, et puis même les gens dans les galeries, quand on est là, ils discutent, mais ils sont plus intimidés, je sais pas, avec un bouquin. Ça Pourtant, on dit que les livres intimident. Enfin, quelqu'un qui achète un bouquin, Ce qui veut dire que pour toi, faire des livres, faire de la gravure pour l'illustration, pour des livres, c'est pas du tout un truc que tu fais à côté de ton œuvre d'artiste, entre guillemets, quoi. Bah non. Assez essentiel, quoi. Bah oui, enfin disons qu'il faut beaucoup de temps pour faire les deux, j'essaye de faire les deux, mais de toute façon, l'un nourrit l'autre. Hein. Je veux dire, mon travail d'illustrateur nourrit mon travail dit personnel, et l'inverse surtout aussi, toutes les expériences qu'on peut faire en travaillant pour soi, on travaille toujours pour soi, mais je veux dire, pas dans le but de publication, c'est des vases communicants, il n'y a pas une barrière entre les deux, de toute façon, évidemment pas. D'accord. De toute façon, il y a plein d'exemples de l'illustrateur dans l'histoire qui étaient à la fois peintre, artiste et illustrateur. Ouais, ouais. C'est maintenant qu'on fait la différence, les artistes et les illustrateurs, parce que voilà, il va falloir absolument séparer les choses d'une façon. Je sais pas pour artificiel. Artificiel, oui, bah parce que je sais pas, les gens sont pas capables de penser à ce qu'une chose soit un grand tout. Non, il faut les couper en rondelles. C'est plus facile à comprendre. C'est voilà. Mais oui, bon, oui. Moi, je ne considère pas
comme un illustrateur, je me considère comme un graveur, comme un artiste et qui fait l'illustration. Oui, d'accord. Même si c'est une part importante de mon travail. Ouais. Bon, tu vois d'autres choses à dire, non? Non. T'as dit l'essentiel, là? Non, oui, oui, c'est bon, j'ai faim. C'est mignon, les petits. Ils font mal. Ils font mal.